En musique? De temporiser un petit peu, mais ça va donner un setup intéressant à Batira. Il va aller chercher la démolition et ça passe, c'est extrêmement bien fait. Vous pouvez gagner en 4v5 l'équipe ou pas? C'est peut-être trop demandé hein. Bon, ça devrait passer là non? MDR. Batira face à Rawaz. Oh, il a fait esquiver une extrémiste. Est-ce qu'il peut frapper? Pour l'instant il a pas mal d'espace. Il va tenter le play aérien avec une tentative de contrôle au sol et la touche de Rawaz qui n'empêchera pas son ballon de finir au fond. Oh la tentative, ça passe vraiment sur le fil pour le joueur de la Carbine Corp. C'est tellement fin finalement. Avec Asante, c'est une plaie. Oh oui, démolish. Ah non, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pas devant tout le monde. Ah, laissez-le en vie, s'il vous plaît, faut que je la termine après. Non, local gold, ok, elle est encore en vie. Le problème, c'est que. Non, en vrai, il peut rien nous faire. On a trop de résistance. Gigi pour le tapin. Ah le chat, préparez-vous les gars. Préparez-vous. On va célébrer ça. On va célébrer ça avec un petit chibi. Slary cover. Ah ok, il est passé à côté du boost. Il va devoir du coup essayer de temporiser un petit peu. Mais ça va donner un setup intéressant à Batira. Il va aller chercher la démolition et ça passe. C'est extrêmement bien fait. De la part du français, ça fait 5 partout. Quel move incroyable. Wefdash reset enclenché instantanément. Une superbe touche derrière. Et l'Africam pour aller chercher Rawaz. Oh la vache! Pour l'accélérer, il va avoir le temps de revenir face à Rawaz. Quoi faire là? On est parti peut-être sur un flic, le ballon est au sol. Et il arrive à aller chercher un premier crochet. Est-ce qu'on peut partir sur un nouveau solo play? Excellent, le 50-50 face à Rawaz. Ça ne passe pas. Ouais, le joueur est très intelligent, le Saoudien, mais Levatira en profite. Frappe directe et là, est-ce qu'on a cadré? Oui, ce sera dans le petit filet du côté de Batira. Très malin sur le bump, il a envoyé Rawaz. Dans le désert. Ouais, dans la baie vitrée de Dobashi, hein, la destination préférée des gens qui se font bump. Oula, ça se passe pas très bien là. Ok. Non, je crois que ça se passe pas très bien. Ok, ça se passe bien. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Ça se passe bien? Ça se passe bien, ça se passe bien. GG! GG, GG, GG! GG!
Bon, ça, je prends le couteau encore. J'ai trop mal joué. Je sais pas ce qui s'est passé dans le match, là on se tapait comme des cons. On se fait juste une auto-attaque. C'était le pire arbre que j'ai eu de ma vie. Terrain. Ouais, il n'aura pas de boost, ça va être très dur à défendre. Il s'en sort avec brio hein, sur ce duel, mais le petit bump qui va le mettre hors jeu sur cette action. Et Vatura du coup qui vient chercher le troisième but consécutif, ça lui permet de revenir à 3 partout à 1 minute de la fin. La réaction est excellente de la part du Français avec le bump pour se libérer l'espace derrière. Merci Telté. Pas mal Telté. Oh, attends. Attends. Dommage. Merci Delté. Merci. J'ai pas peur de dire, c'est win. Merci Delté. Moi fort que t'as regardé, s'il te plaît. Moi fort que t'as regardé, s'il te plaît. Là, tu vois, tu vas me faire tout que le prochain fight à cause de toi, là. Ok, à 3 de la frappe. Y'a une flash. J'ai un wall plus que je wall mes mates, c'est bon. C'est quoi, Rise, là, le frère? Oh, mais j'ai. C'est un pour mon Yasuo en fait l'équipe. Que ça paraît mal de mon Yasuo. Et Targa, je le malaxe, je le tords en deux sur Smash. Donc ça c'est dit. Heureusement qu'il a pas pu sur. Après, j'ai beaucoup de mobilité. Pensant que Rawas allait élever ce ballon une nouvelle fois avec sa dernière touche. Que Nenni va tirer qui passe derrière avec deux longueurs de retard. Beaucoup d'espace pour le français qui peut enchaîner. Parce qu'on peut avoir un flic. Finalement, on va partir sur un RDB in tube up et ça va passer pour le français. Simplicité. Voilà les techniques de base du 1v1. Les techniques de base du 1v1. Effectivement, un move. Connu, bien sûr, et pourtant Rawas il avait plutôt bien défendu, mais va. Je suis le tank de la team, pas de soucis à se faire, les gars. Je suis là pour tout tanker. Je suis là pour tanker les T-Burst. Qu'est-ce qu'il fout sur le side lui? Qu'est-ce qu'il branle? Pourquoi faut pas concentrer, hein? Pourquoi faut pas concentrer? Pourquoi fait pas dedans, hein?